Bon, dis-moi ensuite, c'est quoi ton... Ouais, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, monsieur. Bonjour à toutes et à tous, ici le Tukwazi, les moines de la... Oli, bonjour Manguru. C'est quoi ça? C'est quoi aujourd'hui, Jacob? C'est quoi aujourd'hui? Voilà, du coup, là, on va peut-être sur une très bonne vidéo, c'est quel est votre paire de sneakers la plus chère que vous avez acheté. Et en plus, on demande un top 5 en plus. Aussi, hein. Un top 5 aussi des paires favorites aussi. Donc mettez en commentaire votre top 5, top 3... Et likez la vidéo. Mettez en commentaire, écrivez en commentaire maintenant. C'est parti. Du coup les gars, c'est une vidéo sneakers, donc on va vous parler d'un truc super important. Donc je sais qu'ici il y a plein de fans de sneakers qui veulent avoir des paires de ouf comme les Off-White, les Sakai, les Shun, beaucoup de trucs, ok. Mais le problème c'est que ces paires là elles sont chères. Pourquoi? Parce que c'est du resell. Les gars ils vendent cher pour se faire du bénéfice de ouf, des fois même trop même. On va présenter un logiciel qui s'appelle IOBOT. Alors c'est quoi IOBOT? IOBOT en gros ça va être un logiciel qui va te permettre d'avoir les paires le jour J. Mais vous allez dire mais comment ça marche? En gros IOBOT en gros a plusieurs sites, en gros on va dire qu'il gère plus de 70 sites comme Easy, Europe, Supply, Adidas et tout. Et en gros, le jour J, en gros, ils vont te dire, tiens, il y a ça ici, il y a ça ici, il y a ça ici. En plus, ils peuvent te faire avoir les paires à des prix attractifs. Avec plus de 230 000 transactions effectuées, en tout cas, pour faire confiance à IOBOT. En tout cas, ils ont fait ses preuves. Donc, pour faire confiance, d'accord, ok. Donc, si vous voulez vous montrer vos meilleures paires à vos potes, comme des, tu vois, les Travis Scott, les Easy, les Off-White et tout, quand vous voulez vous frimer devant vos potes, hein, vous connaissez, vous, hein, vous voulez vous la frimer, hein. Bah, en tout cas, prenez ce logiciel-là, franchement. Ça va vraiment vous aider à avoir des paires de ouf, tu vois. Parce que vous, vous galérez, vous dites, ouais, j'ai pas eu les paires, j'ai pas eu les paires, vous pleurez. Bah, IOBOT, hein. En tout cas, le lien sera dans la description, très important. Ils vont pas que les paires aussi, ils font aussi d'autres articles aussi, donc très important. Et en plus, ils font souvent des mises à jour, hein. Donc quand il y a une nouvelle paire, un nouveau truc, mise à jour direct. Donc il faut aller voir. Le lien est ici en bas. Ah oui, j'allais oublier. Alors il y a un concours pour gagner en gros deux copies gratuites d'IOBOT d'une valeur de 650$. Alors comment on fait? Il y aura un lien concours en description. Vous créez un compte, vous inscrivez. Et le gagnant sera annoncé dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà les gars, je vous laisse avec la vidéo. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien aussi? Ça va et toi? Bien. Toi tu as un look un peu détendu, toi c'est trop sérieux là, on sent que tu vas mettre des amendes aux gens, c'est quoi ça? Non, ça va en vrai. Ah, on est en vacances gros, nous on est de Lyon. Ah là ça va. Ah, c'est de Lyon, ah, ouais. Du coup c'est quoi du coup la paire de sneakers la plus chère que tu as acheté jusqu'à présent? En resell ou en retail? Alors on va faire les deux, d'abord en retail d'abord. Retail je crois que ça doit être... Attends je réfléchis mais je pense que ça doit être du 250. Et c'était quoi la paire du coup? Il me semble que c'était l'acronyme Air Force One. Air Force One acronyme, ok. Ouais. Mais les hautes là, les trucs... Yes. Et du coup alors en resell du coup, c'est quoi le... Là je sens que ça va monter, hein. Ouais. En resell, ouais. 850 je crois. Et c'est quoi la paire? C'était une Shatterhead. Ah putain mon gars, lui ça va, c'est bien, hein, 850 quand même, hein. Ouais. C'est quelle est la paire la plus chère que vous avez achetée? La paire. La plus chère, la plus chère, maximum d'argent, de bitcoin, je crois. Attends, t'as une idée toi? Attends. Moi j'ai un direct Balenciaga Triple S. Oh, tu les as? Franchement, ça a fait du mal, vraiment. Ouais. Ça m'a niqué les... Ça m'a niqué le popotin. mais ouais, elles sont lourdes, c'est un truc de ouf. Tu vois les toutes fluo là? Vraiment non. Tout, la semelle fluo, si, tout. Si, ouais, tout. C'est ouais, la fluo. Mais ouais, ça, c'est pas triple S, hein? Hein? Si, c'est avec la semelle en mode jaune. Ah, d'accord, c'est la couleur fluo du coup, ouais, couleur tout fluo. All fluo. Et tu l'as payé combien du coup? 890. Là, j'ai un prochain achat. Vraiment, ça me tient à cœur, tu vois. Ouais. C'est les Dior là, les Dior Converse. C'est les B23. Ouais. L'année dernière elles étaient à 750, maintenant ils ont vu ça. C'est 890. Ils ont monté à 850. Et ça du coup c'est ton prochain achat. Ouais. Et toi du coup quelle est la paire la plus chère du coup pour toi? Ouais, moi je l'ai acheté mais c'était pas pour moi, c'était pour ma soeur, c'était un cadeau que je lui ai fait. Un cadeau? C'était la Speed Trainer de chez Balenciaga du coup. Speed Trainer, ouais, bah, ouais. Elle est à 120 au shop, je l'ai eu en retail. Ouais. Et du coup bah maintenant elle se vend sur les 300, 400, ouais. 400 balles. Ok. Voilà, c'est celle-là. Et elle coûte 120 au shop. En retail, ouais, retail, ouais. Ouais. Et toi, du coup, c'est quoi la paire la plus chère que du coup tu as acheté jusqu'à présent? Rien en suprême, mais en général, ouais. C'est mes trucks ou c'est 50 la paire. Le trucks. Ok, d'accord, 50 la paire, après, ok. Ah, monsieur. Attends, laisse-moi parler. Du coup, mon cas, c'est quoi ton... Y'a quoi? C'est quoi ton top 5 des paires préférées, dis-moi.
Moi la plus chère c'était la Hermès 98 Supreme. Et je l'avais acheté de 300 je crois, un truc comme ça, ouais, 300 balles. 300 euros. Ouais. Le prix comme ça va. C'est... Ouais, je l'ai pas payé si cher que ça, je l'ai acheté l'année dernière au final et elle avait jamais été rock et ouais je l'ai en bon état donc. Excellent. Ouais. J'ai les Raph Simons, Oswego Replicants. On va refaire. Ah parce que tu as la moto, hein. On va refaire. Bah, t'inquiète. J'ai les Raph Simons, Oswego Replicants, un truc comme ça. Nice. T'as payé combien du coup? Je les ai eu à 200, un truc comme ça, neuf. Grâce à Content Staff, Fit Demol, un truc comme ça. Et voilà, mais ça vaut 359. Ouais, ça. Ok, d'accord. Et toi, du coup, la paire la plus chère que t'as acheté? Moi, la plus chère? Ouais. Je sens que ça va sortir un grand truc. Non, des Adidas, comment ça s'appelait à l'époque? Tu sais, celle qui remontait. Elle est récente ou elle date un petit peu? Non, il y a 2-3 ans. Ok. Elles étaient un peu montantes en toile. Ok, et combien le prix du coup après? Vous avez payé 180. Ah, ok. Le plus cher que vous avez acheté? Sneakers. Hein. Des Ultra Boost. Ultra Boost? Ouais. Combien le prix? 130 je crois. Mais en francs. Hein? Parce que je viens de Suisse, du coup c'est des francs, du coup 110 euros. Bata Evans. Oh, bien. De l'an dernier? Non, d'il y a 2 ans. Ouais. Et c'était les brunes en 36,5, du coup c'était 200 euros. Puis je les ai achetés en récent. Du coup, j'ai une dernière question du coup, à te poser à toi du coup. Ouais. C'est quoi ton top 3 des paires préférées? Ton préféré de tous les temps, voilà. De tous les temps. Ouais, top 3. Je t'avoue, la dernière, la Air Force One Skeleton Black, ouais. Que j'ai eu aussi au resell, je suis enculé. J'irai la Oswego, mais pas celle que j'ai, les Oswego Red, mais toutes rouges. Ouais. J'ai pas toutes rouges. Et j'irai les Air Jordan 1 Travis Simple classique. Non, moi j'aime pas trop, mais bon. Okay. Ah ouais? Tout le monde aime bien, mais moi j'aime pas trop. Moi j'aime bien, franchement. Ok. Mais qu'est-ce que tu aimes dans cette paire-là, hein, franchement? En vrai. C'est juste le scooch, on va dire qu'inversé, c'est quoi? Ouais, moi c'est juste ça. Ah, après, Travis. Grand fan, Travis. Ah, c'est un grand fan. Bon, ça va. C'est grand fan d'artiste, je comprends. Bah ouais, franchement, ce serait pas Travis, je sais pas. Mais le scooch inversé, ça. Ça casse tout. Jordan? Je trouve. Ça casse tout. Ouais. C'est une Jordan, ça, avec le scooch inversé. De toute façon, Eminem, il a dit, les Jordan, ça fait voler. C'est Eminem qui l'a dit, hein. Avec le Jordan, tu mets des paniers. Hein. Sans, tu mets pas. Ah, d'accord, ok, bon. Passe préféré. Que moi j'ai, personnellement. Que non. Ah non, que j'aimerais. Non, ouais, que tu apprécies, on va dire. Pas que tu possèdes, on s'en fout. Ouais. J'ai beaucoup aimé la Triple S de Balenciaga. Ok, ça va. C'est un peu spécial, c'est vrai, mais bon, j'aime beaucoup. C'est assez gros, quand même. Hein. Ouais, c'est gros, mais moi, c'est pour ça que je l'ai jamais porté. Mais genre, à voir comme ça, je trouve que c'était pas mal. Des fois, ouais, bien porté, c'était cool. Ok. Après, en deuxième, j'aime beaucoup la 700. De Yeezy. Ah, easy, ok. Easy. Après, qu'est-ce que j'aime beaucoup? La 98 en général de chez Nike. Ok. Après, j'aime beaucoup les Converse avec Golf Le Fleur. Wow, ça, je connais pas ça. De Converse, enfin. En fait, voilà, Converse, ils ont fait des styles assez simples, Converse classique, mais avec une collaboration avec Golf Le Fleur. Ok. Et après, en cinquième. Et en dernier? J'ai pas trop d'idées, franchement je sais pas, je te dirais peut-être j'ai une paire de Calabasas aussi. C'est quoi Calabasas, c'est... Calabasas. Quelle marque ça? Ça c'est aussi Kanye West, mais c'est pas Yeezy, ça s'appelle Calabasas, mais c'est d'accord. Une marque, ils ont fait ça aussi qu'Adidas. Ça marche. Du coup, voilà. Top 5, allez. Ouais, franchement, moi ça va être... Pour moi. Pour toi, ouais. Bah, moi ça va être pas difficile, j'ai la même que les Jordan 1 de toute façon. Ah ouais, t'es un mec comme ça toi? T'as les Jordan 1? Ah ouais, d'accord, ok. Bah, c'est les coloris, mais ouais, que Jordan 1. Bah du coup les coloris en fonction... Ouais, bah, franchement, la première ça doit être la Chicago, je pense. T'es sûr, voilà. Ouais. Bon, ça, y a pas de... Voilà. Ouais. Deuxième, Black Toe, j'aime bien aussi. Ouais, bien. Ouais. Bien. Troisième, Shattered, okay. Vu que je l'ai prise. Ouais. Après, ouais, comme ça, y a Random, je crois pas, mais... ouais, Braid ou Royal Blue. Ouais, Brad, ouais. Et la dernière, je prends. Royal Blue bien aussi, Royal Blue très bien aussi. Ouais, je prendrais la. Wine of White quoi, UNC par exemple. UNC, ouais, elle est bien celle-là. Elle est bien. La bleu clair, c'est ça, non? Ouais, la bleu clair, ouais. Bien celle-là. Ok, bon, en tout cas, on est bon, hein. Monsieur Jordan, une. Ouais, après, c'est dur, hein, parce que tu dis ça, après le lendemain, c'est plus les mêmes paires. Mais après, je comprends, ouais. c'est normal, ouais. Top 4. Top 4, de vos... Top 4 de vos sneakers préférés. Bah, c'est chaud, hein. Prenez votre temps. Vraiment, prends ton temps, mon cher ami. Ouais, vas-y, toi, en premier. Si j'en ai que, genre, 3, ça va. Vas-y, c'est pas bah, du coup, la collab entre Bata Evans, celle de 2015. Numéro 1, ça. Ouais, numéro 1. Je dirais, en numéro 2, Pata collab Pata Vans 2017. Et, ouais, c'est que des collabs. Et en troisième? En troisième, celle, les... Off-White. Off-White, nice. Avec il me semble c'est sorti il y a quelques années et c'était avec Converse.
Attends, mais c'est quoi le nom déjà ça? Je sais plus. Les blanches ou les transparentes? Bon. Les transparentes. Ok. Ouais. Du coup, c'est transparente, donc là, on a beaucoup d'indices. Exactement. Ah, bah d'accord, tu as le nom du coup. Parce que moi, je pensais indice qu'on a cherché. Non, ouais, t'inquiète, c'est bon. Voilà. Du coup, toi, je pense que là, t'as eu 45 secondes. Ouais. Du coup, moi, il y a les Mizuno avec Beams, je crois. Ok. J'imagine que tu connais ça, Akio. On dit le nom? Beams. Beams. Je crois que c'est New Yorkais, ouais. Ok. Non, ou japonais, je sais plus. Japonais? Ouais. Peut-être que c'est coréen, peut-être, non? Ouais, je sais pas. C'est pas ok. C'est bon, genre un logo rouge. Ne t'inquiète pas, on cherchera. Google est notre ami. Après, en deux, je mettrai les Easy Boost 700. Ok, Easy Boost 700. Et en trois, les comme des garçons Converse. Okay. En noir. Ouais, je vois celle-là, en noir. Okay. Et en quatrième, du coup, parce que. En quatrième. Je suis vraiment chiant. Il y a vous une douillée, hein. Il y a des trois, les quatre. Ah, les claquettes Adidas. Excellent, ok. J'accepte ça, ok. Mon top 5. D'abord, numéro 1. Numéro 1, ouais. C'est la Jordan One Obsidian. Ouais. Oh, bien. Ok, bien. Celle qui est sortie. Ouais, après, j'aime bien toutes les collabs un peu Supreme, Vans. Je les aime bien beaucoup. Donc, deuxième, ok, d'accord. Après, comme troisième paire, je dirais la. J'aime bien le bail de TN Requin et tout. Tout ouais, bah c'est des classiques quoi, c'est des classiques. Ouais. Hein, mieux, hein. Et après, je dirais la Yeezy 500. Ah, moi je l'aime pas du tout, hein. Par contre, j'ai la trouve moche. Hein. Ouais, non. Ah. Moi, la Yeezy, moi les 500 et 700, je les aime pas du tout. Hein. Ah, moi j'aime pas trop les 350. Ah, t'es malade toi. Non, les 350, je trouve, elles sont trop genre elles sont trop portées, j'aime pas ah, trop mais les oui, voir parce que, oui, mais attends, dis-moi, mais si personne ne les portait, tu kifferais ou pas, franchement? Il y a un bon design. Ouais, il y a un bon design, ah, voilà. Mais je préfère les paires un peu d'art, genre qui sortent un peu de. Du lot, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Donc la 500, et après, je mettrais la 350, mais je l'aime pas. Enfin, en fait, je l'aime bien, mais toutes les 350, je les aime. Il y en a certaines. T'as les coloris que tu préfères, quoi, normal, ouais. Bah, la Zebra, voilà. Ouais, je l'ai, ouais, elle est lourde. Hein. Ouais, elle est lourde. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mettez en commentaire bien sûr votre top 5. Voilà, et votre paire la plus chère que vous avez acheté. Ouais, j'imagine que certains d'entre vous vont sortir des prix. Des speed trainers, certains vont mytho, mais c'est pas grave. Mais enfin, en tout cas, exprimez-vous. Voilà, et likez. Voilà. Merci à vous encore une fois et ciao.